Et euh, la synchronicité, on aurait tendance à aller voir évidemment sur Internet, voir un petit peu donc euh, ce qui en résulte sur les analyses donc psychologiques, des euh, psychologies euh, analytiques et ainsi de suite. Tout ça, c'est très bien, donc des, des liens de causalité et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, tout ça, c'est magnifique, mais ça, ça demande toujours une question à quoi ça sert cette fameuse synchronicité À quoi elle sert dans la vie tous les jours, dans les connexions importantes Et c'est un petit peu sur ces sujets-là qu'on va essayer de, de comprendre le fonctionnement de cette mécanique. Et euh, ce soir, je me suis permis de, de faire cinq feuilles. Ce qui n'est pas toujours mon habitude. Mais ces cinq feuilles, je les ai écrites ce matin euh, sans reprendre aucune euh, aucune explication sur internet. Je me suis euh, basé sur quoi alors Sur ce qui s'est passé sur euh, beaucoup d'événements que j'ai connus avec d'autres personnes et j'ai un petit peu simplifié tout ça donc ne vous étonnez pas si je, je lis tout ce que je vais lire évidemment euh, ne vient pas d'Internet c'est ce que je voulais préciser mais vous allez vous, vous retrouver pardon dans ce que je vais euh, lire ce soir donc, comme je disais avant de démarrer la, la, la conférence sur la synchronicité, on aura l'occasion, évidemment, maintenant, de, de, re, de voir l'équipe un petit peu en live. Donc, euh, le 16 février, je rappelle, euh, on fera des photos, on fera une vidéo, on la mettra sur le net, comme ça, vous verrez un petit peu toute l'équipe. Donc, moi, je vais faire quelques bancs solaires pour être, ouais, blanc. Non, je blague. <laughs> Mais... Euh... On sera tous présents évidemment pour vous saluer et, et lancer donc un nouveau bébé qui s'appelle la porte du paranormal. Pourquoi on a choisi la porte du paranormal eh Bien, c'est un peu symbolique cette porte. C'est une porte que euh, toute personne a le droit de franchir. Donc je veux dire par là que toute personne qui se pose plusieurs questions ou même une seule dans l'état où elle se trouve à tout type de statut, à tout type d'échelon sociétaire, elle a droit à ouvrir cette porte et à accompagner l'équipe, les invités évidemment, à euh, trouver des réponses. Donc la porte du paranormal en fait est uniquement basée sur des conférences en salle et je l'espère en espérant que la technique suive, normalement ça devrait aller, de manière à ce que vous qui êtes en France ou au Canada euh, sachiez euh, nous suivre évidemment euh, via euh, donc euh, sur les écrans. Donc on doit encore faire un tas de tests, mais normalement ça va fonctionner. D'accord J'ai Laetitia qui essaye de me joindre, mais euh, est-ce que quelqu'un pourrait essayer de l'inviter Moi j'essaye de l'inviter et pas moyen. j'essaye de. Moi je l'ai. Vais... Pas dans mes contacts, donc je ne sais pas l'inviter. Je vais encore essayer. Euh... Allez, euh... j'ai un de la voir. Et... C'est un peu embêtant. Ah ben oui. Laetitia, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, voilà, c'est parfait. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Laetitia. Donc bonsoir à tout le monde, bien sûr. Merci donc encore une fois d'être présent ce soir sur le phénomène de la synchronicité. Alors, je, comme je disais, je vais un petit peu lire ce que j'ai noté ce matin. N'hésitez pas à m'interpeller il si, euh, y a quelque chose que vous désiriez euh, éclaircir. Donc je me lance, si vous le permettez. La synchronicité. C'est un phénomène qui a son importance sur l'évolution humaine. Un phénomène simpliste et complexe à la fois, selon des règles du temps. Et oui, encore une fois, le temps, il joue un rôle décisif pour accéder à nos décisions et aussi à nos analyses des événements avec une forme de rationalité au départ. Et oui, parce que là je m'arrête. Quand un événement se produit, on a tendance à d'abord le corriger, le rectifier, l'analyser avec le rationnel. Et pourtant, parfois, on va le voir, certains facteurs gomment cette forme d'effet de, rationnel pour donner une projection différente et accéder à plusieurs connexions. Mais j'y reviendrai par la suite. Donc, comme je dis, ce sont... Donc euh, des règles qui font partie du temps. Donc ce, ce temps joue encore un rôle décisif pour accéder à nos décisions, mais aussi, comme je viens de le dire, à des analyses sur les des événements avec rationalité. Parce que parfois cette rationalité est fissurée, et alors il succède des déductions et ça freine cette fameuse rationalité. Et ça nous redirige vers une autre forme de conjugaison, de conjugaison, pardon, contre toute attente. Vous allez voir ce que je veux dire par là. En effet, un ou des modules d'interconnexion sont prêts à intervenir. Qu'est-ce que c'est, ces modules d'interconnexion? Eh bien, on pourrait dire que ce sont des chemins multiparallèles qui suivent le chemin que nous, nous avons voulu ou que nous désirons prendre et ces chemins vont venir se connecter. Donc, ce sont des modules ou plusieurs modules d'interconnexion qui vont intervenir comment Comme garde espace-temps. Tout ça est peut-être du charabia, mais vous allez voir que ça va être de plus en plus clair avec les exemples que je vous citerai. Donc, ça donne une espèce de garde espace-temps capable de diriger notre vie d'après, bien sûr, et vous le savez, des codes, des signaux qui forment une galerie de canaux interactifs lors d'un événement proche, ou encore de lancer évidemment ces événements dans le futur. Cette analyse, en fait, que je viens de vous dire, est plus concrète dans ce qu'on dit en général sur Internet. Ce système, cette mécanique, semble être active pour plusieurs raisons, bien sûr sur le plan évolutif, logique, mais surtout avec une priorité, celle d'entretenir notre libre arbitre. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous choisissons une décision après analyse pour un événement, mais que tous ces connexions interagissent sur notre libre arbitre en nous le laissant et donner notre décision. Donc une autre vision sur l'événement et choisir à ce moment-là autre chose. Donc c'est d'entretenir bien sûr notre libre arbitre. Et puis et surtout d'éviter quelque chose d'important. La synchronicité, synchronicité nous évite un syndrome, c'est celui qui avoisine la monotonie. Un être humain qui chaque fois qu'il fait ses choix est certain de l'objectif à atteindre et de la réussite ou de l'échec il ne va plus essayer évidemment d'avancer ou de prévoir quelque chose parce qu'il sait déjà la finalité donc cette monotonie mentale risque de le perturber dans son évolution dans ses choix et à ce moment-là, la synchronicité, justement, là je parle d'une synchronicité mécanique avec des codifications, on verra ça plus tard, qui vont l'influencer à revenir sur sa décision ou en prendre une autre parfois au dernier moment, encore une fois dans le temps. Donc cette monotonie, on la connaît. On sait très bien que dans les couples ou parfois au travail, la monotonie... Euh, nous empêche d'avancer. Elle nous paralyse, elle nous bloque, elle développe aussi une certaine forme de cancer mental où on est vraiment saturé, eh bien la synchronicité est là justement pour jouer un rôle précurseur à ce phénomène, c'est-à-dire de donner entre guillemets plusieurs chances à l'individu pour accéder à différents niveaux. Est-ce que vous avez une question à ce niveau-là Alors voilà, je continue. Si la synchronicité n'agit pas sur un être humain, la synchronicité a un objectif également c'est de partager avec une autre personne, et en l'occurrence d'autres personnes, à un moment, un détail, une parole, un geste. Qui se multiplient au sein d'un groupe, ce qui permet d'affirmer que l'être est existentiel au milieu des autres. Ce qui veut dire qu'il y a cette connexion entre plusieurs personnes au même moment. Ça lui évite aussi de créer un syndrome évolutif, mais de solitude. Qui dit personne isolée avance moins dans son évolution ou reste fixé sur des points de repère, j'y reviendrai plus tard, et ces points de repère risquent parfois de l'étouffer. Donc la synchronicité vient jouer un rôle multiple dans l'évolution d'une personne comme dans l'évolution d'un groupe. Cette forme de monotonie que la synchronicité essaye d'éviter, c'est une forme de déprime, une déprime non, non constructive qui se met face à l'échec ou la réussite. Ce qui veut dire que la personne sans ce système mécanique, eh bien, ses espoirs, les retournements de situation ne seront jamais euh, concrétisés. Cette forme d'automatisme, évidemment, freine l'humain. La synchronicité freine l'humain à un certain point. Et ce point a une importance. C'est qu'il y a, par exemple, un individu qui garde ses points de repère. Évidemment, il évolue autour de ses points de repère, bien sûr. Mais aussi, il peut s'y attacher, s'y enchaîner, et ne plus passer des étapes évolutives. Vous allez me dire quel type d'étape évolutive on peut d'abord parler sur le terre-à-terre, l'étape évolutive dans sa vie d'homme ou de femme, ou dans l'étape évolutive des cycles, par exemple de, de réincarnation ou d'acquis. Vous comprenez ce que je veux dire Et à ce moment-là, la synchronicité, elle, lui donne un petit peu un effet de réveil pour lui tout doucement aller dans l'aventure de sa vie, dans l'aventure qu'il a à faire, dans les choix, dans ses espoirs, dans son attitude et surtout dans le développement de ses sens émotionnels parce que la source primaire de la synchronicité, c'est quoi? C'est les sens émotionnels. Ces sens émotionnels, on le sait, se connectent avec des gens qui ont pratiquement les mêmes atomes crochus émotionnels et là se joue ce fameux miracle où on commence à agir, à penser comme la même personne ou à dire les mêmes mots ou la même déduction, la même analyse. Je reviendrai sur plusieurs exemples. Ces points de repère, en fait, eux aussi obéissent à des cycles, à tromper les initiatives de, des humains. Cette synchronicité, en fait, elle lui donne l'occasion d'arpenter, pardon, plusieurs et plusieurs, j'avais marqué multiples scénarios temporels. Je veux dire par là que quand on prend une décision sur un événement qui vient se mettre devant vous, on a tendance à partir sur une trajectoire pour répondre à l'événement, mais on travaille aussi sur un système d'anticipation intuitif pour dire si jamais ma première décision ne fonctionne pas, je peux passer au plan B parce que je l'ai plus ou moins construit, anticipé à l'intérieur de moi-même. C'est encore une forme de connectivité parallèle à l'événement qui se produit dans le temps. Comment ce système intervient-il eh bien par plusieurs notions. En fait par des systèmes de prémonition et de sens réactif. Des sens anticipatifs et prémonitoire. On verra pourquoi. Ou encore par des fréquences qui restent identiques. Ces fréquences identiques, c'est quoi Ce sont des acquis qu'on a eu dans notre vie et qui sont aussi les mêmes par rapport à d'autres personnes. Un petit peu comme euh, la vie ici, euh, e. trois, nous disait tout à l'heure. Eh bien, elle avait donné un coup de main à quelqu'un qui avait un problème dont elle, elle avait vécu plus ou moins le même système. Eh bien, ces acquis à elle ont fait en sorte de, de, de se connecter avec l'autre personne et d'arriver tout doucement à la même conclusion ou voire même donner un petit peu euh, le début d'une solution. Donc, la synchronicité. Évite une accoutumance, je veux dire un peu euh, cette accoutumance sera un petit peu à baisser les bras face à un événement, parce qu'on sait déjà comment ça va se terminer, soit bien ou mal, mais on sait déjà la finalité. Synchronicité, elle est là un petit peu pour gérer plusieurs choses de manière à ce qu'on s'en sorte sur différents plans. Elle aide aussi à améliorer notre conditionnement. Contre l'accoutumance, elle permet la continuité de l'être et lui empêche quelque chose d'important, dont malheureusement dans les prochaines années on aura ce, ces syndromes. C'est un syndrome, donc la synchronicité empêche le syndrome de l'autodestruction mentale, c'est-à-dire quoi, autodestruction mentale, semble vraiment robotisé, eh bien c'est simplement que, prenons cet exemple, on voit trop d'événements négatifs dans la presse, eh bien on peut avoir des gens qui abandonnent tout, qui s'isolent, qui s'autodétruisent via la société. Je ne parle pas d'un suicide, je parle simplement d'une réclusion, d'un retrait sur soi-même et tout doucement évidemment, on s'éteint vis-à-vis -vis des autres. Je ne dis pas qu'on peut s'éteindre vis-à-vis du suicide, donc de, de mettre fin à ses jours, mais on se retire face à la communication avec les autres. Pourtant, la synchronicité demande l'inverse vu qu'elle peut donner justement cette connectivité avec plusieurs personnes. Donc c'est... Cette synchronicité est vraiment une convergence émotionnelle. Elle a une importance capitale pour évidemment nos déductions dans la vie et nos changements d'idées, ce qui est clair. Est-ce que vous avez euh, une question pour l'instant Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Laetitia, si tu savais couper ton micro, on entend quand tu, tu tapes sur le clavier. Oui. Bonsoir willes euh, Oui. C'est Corinne. Oui. Bonsoir euh, je, Corinne. J'aurais je... une question. Euh, C'est parce que euh, voilà hier soir. Euh, je sais pas si ça fait partie de synchronicités j'arrive pas à le dire, <laughs> euh, a... j'ai retrouvé un groupe d'amis hein, hier soir, et ils m'ont dit, tiens, c'est drôle, euh, la semaine dernière, on pensait à toi, et euh, on savait que tu avais une question auxquelles tu pouvais répondre, et toi, tu arrives au... arrive aujourd'hui. Alors, est-ce que ça fait partie du, du système de, de synchronicité Oui, tout à fait, la synchronicité… Euh, n'a pas, comment je vais dire ça, je vais t'expliquer encore un truc qui est arrivé récemment, il y a plus ou moins une heure, euh, la synchronicité ne joue pas un rôle dans un temps précis. Donc ça veut dire que tu peux avoir des amis qui ont une focalisation à un moment donné sur un individu, et cette focalisation engendre un autre événement, c'est-à-dire la rencontre avec toi, et justement de poser cette question. Elle joue un flux télépathique, pratiquement, si je peux dire comme ça. Hein, Ou, par exemple, j'y venais justement sur différentes euh, mécaniques, euh, je vais dire, euh, de signaux. Et avant de, de me lancer, évidemment, c'est bien un phénomène de synchronicité que vous avez eu ensemble sur un, un échelon différent de temps. Par exemple, il y a deux heures de ça, j'étais en train de vérifier un film. Et euh, c'était un film sur la chasse et on voit un, un comment dirais-je, un énorme cerf qui est abattu malheureusement. Et euh, j'étais en train de regarder comme ça la TV, et je reste un peu euh, euh, bloqué sur cette image et 30 minutes après j'ai une personne qui vient me parler qui me dit tu sais où il est, on a retrouvé dans un canal. Un serre et on ne sait pas d'où il vient il s'est noyé euh... donc c'est une synchronicité par rapport à une image ou à un animal en l'occurrence. je vais essayer de vous faire ça, vous faire comprendre ça un peu plus clairement quand je parle dans la synchronicité qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent sur notre conscience mais aussi l'inconscient vous allez me dire Willis oui, pourquoi ça joue sur notre conscience et l'inconscient Vous allez voir les différences. Les échelons de cette mécanique, elle utilise bien sûr nos sens. On est d'accord. Je m'excuse. Qui, qui, qui appelle Je vais. Si quelqu'un s'est invité, parce que j'essaye de... Ah ben voilà. En fait, de la synchronisation, elle agit sur nos sens, mais ce n'est pas tout. Elle agit sur nos sens et notre assiduité à interpréter les signaux. Comment Eh bien, c'est simple, par des couleurs, par des chiffres, par des odeurs, par des animaux, c'était le cas tout à l'heure. Et surtout, je souligne la couleur, vous allez voir pourquoi. Donc, je me répète, elle agit sur nos sens, sur les signaux, sur les couleurs, sur les chiffres, sur les odeurs, mais aussi sur notre apprentissage régulier, et aussi, vient encore souligner, sur nos cycles répétitifs. Donc des cycles soit de réincarnation, ou d'acquis propre. Donc c'est une codification propre à notre sensibilité, mais aussi à notre collectivité envers les autres, c'est inévitable. Qui dit émotion, qui dit signaux, dit partage avec d'autres personnes, et là aussi se crée une synchronicité. Ça, ça ouvre bien sûr des perceptions qui sont par exemple un passage, une connexion, par exemple, avec les âmes sœurs. Des âmes sœurs où on se dit, tiens, tu penses comme moi, on devient les meilleurs amis du monde. Les meilleurs amis du monde parce qu'on a les mêmes idées, les mêmes réflexions. Du doigt, d'un regard, on a directement toute cette synchronicité euh, qui se crée. Je, je regarde encore, j'ai quelqu'un... Voilà, donc euh, j'ai quelqu'un qui, qui essaye de venir. J'essaye de... J'essaye d'inviter le maximum de personnes pour éviter de... que les personnes soient lésées. Mais de façon, s'enregistrer, enregistrer, grâce à Angel. Donc je reviens un peu à nos moutons, si vous le voulez bien. On a cette synchronicité qui nous parle sur des phénomènes tels que chiffres, les odeurs. Là, on est encastré dans le, le phénomène de conscience. Et dans l'inconscience, eh bien évidemment, la plupart des fonctions qui se mettent dans la conscience, c'est bien sûr le rêve, c'est bien sûr le cauchemar qui donne aussi cette synchronicité. Vous allez me dire comment, ah ben parfois on se dit, tiens, euh, je raconte un rêve, je raconte un cauchemar, et puis, ah ben j'ai rêvé la même chose que toi la nuit passée, ou j'ai rêvé la même chose que toi il y a un mois. C'est quand même curieux. Mais non, cette synchronicité justement fait appel à des événements futurs. Donc, le présent joue un rôle précurseur pour des événements futurs, et parfois vice-versa. Et on va le voir. Donc je reviens un petit peu à ce que je disais, donc on a les couleurs, on a tout ça qui interagissent. Et comme je, je, je le citais tout à l'heure, on ouvre des perceptions telles qu'on découvre des âmes seules, avec des expressions multiples, des mêmes paroles, des mêmes idées, etc., etc. Cette connectivité en fait arpente de multiples injonctions. Elles établissent des fréquences et des séquences temporelles. Elles sont présentes. Au moment où on fait une décision sur un événement, obligatoirement, d'autres événements se préparent à la rescousse si jamais le libre-arbitre agit. J'ouvre une parenthèse que ce que je vous explique en fait n'est pas sur le net, parce que dans le futur, la technologie va se servir de ces événements et de cette fonctionnalité pour quelque chose qui a une importance capitale au XXIe siècle, l'Alzheimer. Mais ceci est une autre histoire. Bref, donc comme je le dis, cette connectivité arpente de multiples injonctions établies en séquence temporelle. Ça veut dire quoi, Willis Bien, ça veut dire simplement que nous sommes connectés à plusieurs signaux, à plusieurs codes. Vous le savez tous, des signes, des couleurs, et nous ouvre justement diverses voies pour réagir au moment que l'événement se produit. Donc, tout ça interagit de manière à prévoir une fracture modulable selon vos choix et anticipations. Je m'explique, je le dis souvent dans la webconférence, on arrive à un abri de bus, on prend le bus à 5h5 comme d'habitude, on voit le bus arriver, il est jaune, il arrive, je ne sais pas quelle couleur il a en France, il arrive, il est jaune. D'accord eh bien, une fraction de seconde, vous avez vu un autre bus jaune qui n'a pas du tout la même ligne que vous. Et pourtant, cette fraction de seconde interagit sur votre système émotionnel et vous dites, tiens, bah, ben c'est vrai, tout compte fait, il y a plusieurs bus. Bah, ben, je prends pas celui-là aujourd'hui à 5h05. J'ai le temps. Je vais boire un café. Je prendrai celui à 6h05. Et le lendemain, vous reprenez le bus à 5h05. Vous tombez sur une amie qui a l'habitude de prendre le bus à 5 h cinq et vous dit "Oh, tu sais quoi, euh, le bus hier de 5 h cinq Eh bien, écoute, hein, franchement, euh, le bonhomme, euh, le chauffeur, c'est vraiment un nul quoi. On a failli avoir deux accidents, on a eu une crevaison. Je suis arrivé à 8h5 à, au boulot et quand je suis arrivé, t'étais déjà là. Comment t'as fait Voilà, il y a eu toute une convergence de temps et ainsi de suite, ainsi de suite que vous êtes arrivé au travail quand même et que l'autre qui est habituellement avec vous dans le bus eh bien été retardé de X heures. Et oui, la synchronicité agit comme ça aussi. Mais ce n'est pas fini. Ça veut dire que nous sommes connectés bien sûr aux autres personnes et ça ouvre bien sûr des perspectives avec des informations qui interagissent dans notre conscience et en même temps là notre inconscience. Ça ouvre vraiment une canalisation, ces déductions et cette réalité vous donne un effet de synchronicité. Évidemment comme je le dis la conscience et l'inconscience jouent un rôle tampon. Je veux dire qu'elle accentue la synchronisation ou simplement la dissolve. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas non plus avoir une synchronicité, je vais dire, orchestrée dans la vie de tout le monde. Ça nous donnerait une assurance aussi. Et cette assurance pourrait trop aussi nous donner l'envie de, de tenter beaucoup de choses. Comme on dit, tenter le diable et d'avoir un pépin. Donc la synchronicité parfois après à un mois, deux mois, voire même quelques minutes après, hop, terminé. On a quelques vagues souvenirs, mais on ne sait plus trop comment la mécanique s'est préparée. Justement pour que notre par Arbi pour de l'évolution. Évidemment, ça veut dire que l'information de synchronicité ne sera pas durable. Je ne sais pas si vous avez euh, une question pour l'instant. Quand tu dis la synchronicité ne sera pas durable, qu'est-ce que tu veux dire par là Bien, je veux dire que la, synch la synchronicité est est permanente dans la vie des gens, d'accord. Oui, oui, oui. Mais elle joue un rôle à divers moments. Donc je veux oui. dire, tu rencontres quelqu'un, il te dit tiens, euh, bonjour, bah justement j'ai pensé à toi la semaine Bah oui, ça fait partie d'évolution qu'on est en train de vivre. Ça, il y a beaucoup plus de, les gens font beaucoup plus attention aux synchronicités, ça arrête pas d'arriver. Enfin, j'ai pas vous, mais de mon côté, je me retourne même plus tellement c'est régulier. Et je crois que c'est un phénomène, c'est quelque chose qui avait été annoncé dans la prophétie des Andes, que ça allait devenir de plus en plus commun parce que ça fait partie de l'évolution de la conscience. En fait, la sacrité, je vais essayer d'expliquer, la sacrité, elle est globale, par exemple, dans la vie d'une personne, on est d'accord Mais elle va jouer un rôle à divers moments. Elle ne va pas le faire en permanence. Donc, je veux dire, tout le temps, tout le temps, parce que la personne, à ce moment-là, va faire confiance à ce système-là et risque de rester en retrait, de dire, bon, ben, tout va bien se passer parce que je trouverai toujours un plan B pour m'en sortir. Donc, l'effet de synchronicité se fait tout le temps, mais sur des plans différents, des événements différents, mais elle a tendance, après, par exemple, X temps, à rester de côté et à passer au stade suivant pour agir encore une fois sur un autre événement. C'est ça que je veux dire. Mais elle, elle est présente en permanence dans la vie de quelqu'un. Mais, elle joue un rôle à un moment précis, puis elle passe à autre chose. C'est ça que je veux dire. Oui, ok. En fait, pour un exemple de conscience et d'inconscience, j'avais pris euh, le phénomène de la couleur. Par exemple, on se dit, voilà, je dois acheter un véhicule, et j'ai envie d'acheter un véhicule blanc, une voiture blanche, et puis, on est pratiquement... En synchronisation, parce que tout ce qui est blanc comme véhicule on a tendance à être plus focalisé dessus. Donc cette couleur, en fait, commence à adhérer avec notre conscience, à dire, ben, ah, celle-là, cette voiture-là, elle est superbe, elle est blanche, elle est bien. Ah, une autre, un autre modèle, elle est blanc. Ah ouais. Et puis, on a tendance aussi à se projeter dans ce véhicule, malgré qu'on ne l'a pas encore acheté. On se voit dedans, ben oui, elle serait bien, elle m'irait bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis tout doucement, eh bien, cette couleur blanche nous donne vraiment l'envie de prendre ce véhicule. On pourrait arriver au magasin, au garage, et dire voilà, moi je vais acheter celle-là, c'est une blanche, j'ai envie de celle-là. Et puis tout d'un coup, on prend une rouge. Il y aura des influences en ce moment-là. L'influence aussi du vendeur, l'influence de la société de vendre. Mais en général, à 90% on se base sur l'idée que cette couleur blanche nous convient, nous nourrit émotionnellement et nous donne une forme de projection d'avenir pour se retrouver dans ce véhicule. Donc on a choisi d'abord un véhicule blanc et on a été focalisé sur tout ce qui était blanc comme véhicule. Dans le système d'inconscience, au départ, là, c'est différent. On voit du blanc partout. Tiens, c'est blanc. Moi, j'ai acheté une robe blanche. J'ai acheté des baskets blanches. Euh, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, ça interagit dans notre subconscient. Et on va au garage. On se dit, ben, bah, je vais acheter une voiture. Euh, Baf Alors là, il se, il se produit deux choses. Soit on se dit, ben, bah, blanc, c'est chouette. Ben, bah, euh, je prends la blanche, monsieur. Ou alors on prend la voiture parce qu'elle nous plaît. On est au volant du véhicule. On sort du garage. Et on se dit au feu rouge. Anecdote vécue par un ami. Ah mais... mais c'est vrai quoi, j'ai acheté une voiture. Je suis bien dedans, magnifique et tout. Ah mais c'est une blanche en plus. Ah bah zut alors. J'ai pensé à, à plein de choses blanches j'ai vu des trucs blancs je sais pas pourquoi je suis dans ma voiture bah ben c'est vrai c'est juste c'est blanc ben j'ai une voiture blanche c'est juste. On fait une relation de ce phénomène d'inconscience on l'émerge dans la conscience et on réalise qu'il y a eu un enchaînement dont on n'a pas toujours fait attention qui conclut qu'émotionnellement nous sommes dans un véhicule que nous avons acheté, que nous aimons et qui nous parle parce que il finalise avec cette couleur blanche. Est-ce que vous avez compris un peu l'exemple Il y a un troisième facteur, je veux dire par là, que la synchronicité joue sur trois plans, sur le présent, donc elle est triangulaire, triangulaire pardon, cette synchronicité, elle joue sur le présent et le futur et le passé. Vous allez me dire, oui, laisse, le présent, d'accord. Je suis devant la voiture blanche, j'achète la voiture blanche, je m'anticipe dans le futur parce que je vais rouler avec la voiture. Vice-versa au niveau du futur, le blanc me parle. Je, je m'achète une j'ai envie d'acheter une voiture je l'ai patati patata d'accord on expliqué. mais qu'est-ce que le passé a à voir avec ça Eh bien le passé c'est là où ça nous concerne tous, soit dans notre évolution soit dans notre éducation. on a parfois eu des soucis dans son passé en étant jeune fille jeune homme en étant enfant. Ou simplement parce qu'on achète un véhicule blanc parce que papa en avait une blanche. Parce que papa, c'était bien, c'était un phénomène... Comment dirais-je encore euh, Je cherche le mot, j'en ai parlé tout à l'heure. Un phénomène dans le passé, un phénomène qui est plutôt... Euh, euh, régressif, je parlais de point de repère, voilà. Donc ce point de repère-là, justement, c'est papa, je me souviens, papa en voiture blanche, c'était magnifique et tout. C'est une forme de nostalgie. Et j'ai acheté la voiture blanche parce que j'ai eu cette influence. C'est encore un phénomène, en fait, de synchronicité. C'est le passé qui a joué sur votre décision. Certains y arrivent à rouler avec cette voiture blanche, parce que ça leur rappelle un bon passé. Mais combien de gens se baladent dans la rue, sont chez eux, assis devant la télé, qui se disent ⁇ Mais le passé, j'aimerais tellement l'oublier avec ce qui m'est arrivé. ⁇ Et là vient inclure un phénomène qui est un petit peu à part et qui peut aider chacun d'entre vous. C'est le phénomène d'hypnose. Parce que l'hypnose, lui aussi, peut agir sur la synchronicité. Ce sera le débat, bien sûr, d'une autre conférence, mais l'hypnose arrive à jouer un rôle de synchronicité. Ah, mais comment, euh, Willis Comment ça Un rôle de synchronicité. Eh bien, c'est simple. Avec une mise en condition d'un individu, au lieu de passer des messages comme l'odeur, la couleur, il passe à un mot. Et ce mot, il l'inclut dans la codification de la synchronicité. Et lui seul devient, entre guillemets, bien sûr, maître de ce mot, de manière à interagir sur vous et d'autres personnes. Synchronicité un peu est dupée, entre guillemets et se laisse faire grâce à cette euh, forme de communication, c'est-à-dire de placer un mot à un moment donné précis. Je vais, laisser, je vais vous laisser un peu parler pour le moment si vous avez un commentaire, ou voire même une anecdote à travers la synchronicité. Bah oui, et les autres, il y en a sûrement beaucoup qui vivent des synchronicités pour le moment. Ouais, je ah. ne sais pas. Apparemment, pas trop, mais moi, ça n'arrête pas de m'a. C'est tous les jours, au moins. Bien sûr, la synchronicité partout. Non, mais des petits phénomènes comme ça avant, on ne remarquait pas. Ça va très, très vite. Hein. On parle d'une chose, et puis hop, le lendemain, ça arrive. Avant, ça durait, je sais pas, c'était pas aussi rapide et du tac au tac comme ça. Ça, pour moi, c'est vraiment l'évolution euh, de l'accélération du temps qu'on est en train de vivre depuis, ben, surtout depuis deux ans, mais là, un peu 2013, il y a quelque chose de encore plus marqué de ça. Ça, ça c'est justement des, des changements qui sont assez subtils, mais qui qui sont là. J'en parle autour de moi avec les gens. Euh, Justement qu'ils sont réceptifs comme ça, tout ce qui est spirituel dans les groupes et tout ça, et tout le monde dit un petit peu la même chose. Mais la synchronicité, ça revient. Hein yes. Et justement, c'est l'objet un petit peu de, de ce qui va suivre. Et euh, je vais deux secondes parce que j'ai des gens. Euh, voilà, donc quelques personnes qui voulaient nous rejoindre. Justement, comme Catherine, tu le dis. La synchronicité, évidemment, est partout pour, euh, pour les gens. Seulement, on a quelque chose qui est, comment dirais-je, positif et négatif dans cette synchronicité. C'est que nous devrions être attentifs. Mais nous sommes dans un monde actuellement où nous courons beaucoup. Nous, justement, euh, euh, Vivons très vite. Et on n'a pas l'habitude de percevoir cette synchronicité parce que nous euh, vivons vite sur la journée. Et justement, cette synchronicité a un petit peu fait effet de, de régulateur parce que on a beaucoup plus d'effets de synchronicité. Si nous aurions l'occasion d'être attentif en gardant la même attention le terme monotonie en gardant le même rythme de la vie de tous les jours à notre travail par exemple mais de se dire je vais être attentif cette fois-ci au phénomène de synchronicité et bien oui Catherine il y en aurait plusieurs parce que comme tu le dis nous sommes dans un monde maintenant où il y a cette ouverture de synchronicité parce que les événements vont très vite et la synchronicité pardon, vient de plus en plus sur une journée de 24 heures il en faudrait au moins 28 donc c'est vrai qu'il y a bien sûr une importance de capacité de suivre ces liens qui viennent chaque fois se placer dans notre vie, dans notre journée, et surtout d'apprendre à décoder, de comprendre ces signaux. Mmh. Ils sont en réalité triangulaires et interagissent sur notre conscience, et beaucoup plus je pense sur notre inconscience, et c'est là que nous devons apprendre à pouvoir les capter. Et comment les capter Eh bien, il faut bien sûr évoluer aussi dans une forme de méditation qui accentue bien sûr cette connexion. Et qui viendront plus tard, cette méditation, face à la synchronicité, et ça c'est l'objet aussi d'une autre conférence qui est un petit peu euh, particulière. Donc, ces capacités viennent s'imposer, ouais, bon. focaliser sur l'être, et lui donnent une énergie combattante, une énergie de vivre tout le temps de sa vie, pour plus, plusieurs raisons, bien sûr. Donc la synchronicité est aussi ouvert avec la focalisation, notre intérêt à suivre ces signaux. Alors j'ai un exemple. J'espère qu'il est relativement simple. Pour un effet de synchronicité dans la vie de tous les jours, <coughs> j'ai repris un exemple avec un pêcheur. Alors j'ai le pêcheur qui arrive et c'est un pêcheur à la mouche. Donc pour ceux qui ne savent pas, eh c'est une canne à lancer que le moulinet, vous voyez ce que je veux dire. Et on imagine qu'il arrive sur une berge. Et les temps est devant lui, et hop, il lance Saline, le moulinet se défile, et l'hameçon tombe plus ou moins au milieu du, du petit lac. Et puis, qu'est-ce qui arrive? On a cinq, six personnes qui viennent à côté de lui et qui lancent également. Il n'a pas de chance le pêcheur qui lance aussi, évidemment leur euh, canal lancé au même endroit parce que tous ces gens en fait ont eu des informations différentes parce qu'ils ont des acquis différents, des âges différents, des statuts différents, des idées différentes et pourtant toutes ces informations les ont réunies au même endroit et à un moment donné qu'est ce qui va se passer? Eh bien, toutes ces lignes, un petit peu, vont un petit peu se mélanger et donner une seule fonction. Et c'est là, encore une fois, la création de la synchronicité. Et j'ai mis une phrase sur la synchronicité qui a déjà longtemps qu'elle est sur Activa Cortex. C'est quoi? Eh bien, on développe, évidemment, une forme de synchronicité sensorielle. Donc c'est une séquence de temps qui se met en place pour toutes les personnes et arriver à une seule et même information. Donc comme j'avais cité dans Cortex, ce n'est pas la destinée qui les rassemble, mais c'est la cause. La cause, c'est ça. Ce sont plusieurs informations qui donnent une cause butoir et développe un phénomène de synchronicité. Ce n'est pas un phénomène de hasard, ni un phénomène de destinée. C'est simplement toute une, une analyse pardon, sensitive associée au libre arbitre qui développe une cause et une synchronicité. Donc, nous avons plutôt tendance à peindre ça en une couleur et dire que c'est du hasard. Eh bien non, ce n'est pas du hasard. Ce sont bien des fonctions mécaniques, informatisées entre guillemets, qui jouent en parallélisme avec nos décisions et qui arrivent parfois à prendre le dessus et de mettre en place dans un espace-temps. Avec plusieurs personnes, en l'occurrence, un moment précis, une parole, une idée, un geste, et voilà, le, le, le rôle est joué de la synchronicité. Ce rôle, en fait, peut jouer sur deux plans soit créer, bien sûr, un échec. Tout échec ne veut pas dire de baisser les bras. Les échecs font en sorte que l'individu ou le groupe s'automotive pour continuer à accéder à une étape supplémentaire. Ou alors une réussite qui peut donner aussi un espoir de passer à une étape supplémentaire, ou cette réussite aussi peut brouiller les cartes et laisser les gens sur place et se contenter de cette réussite. Donc nous avons toujours cette dualité entre le positif et le négatif dont bien sûr la grande sagesse de la synchronicité a tendance à jouer avec nous. Cette synchronicité, elle a traversé les époques, elle a traversé l'histoire, les grands de ce monde, je vous en ai parlé, comme les plus petits. Ont eu cette synchronicité de dire écoute, tu sais quoi Aujourd'hui, vers 23h30, remonte la cage d'ascenseur parce que je pense qu'il y a un coup de grisou qui va arriver. Et le gars qui gère l'ascenseur, la mécanique, il dit Tu sais quoi J'ai pensé la même chose que toi. Je crois qu'on va remonter les hommes plus tôt parce que c'est vrai, j'anticipe. J'ai quelque chose à faire de moi comme toi, une certitude qui va avoir un coup de grisou. Et on sauve 23 hommes de l'ascenseur. Le développement de la synchronicité est beaucoup plus perceptif chez des gens qui ont connu des phénomènes de réussite et parfois de solitude. Cette synchronicité, ils arrivent à la moduler, à la comprendre beaucoup plus facilement que d'autres, à interagir sur le présent et évidemment de suivre ce fil juste au futur. On les nomme voyants. Et évidemment, à part eux, la synchronicité, comme je le dis, est dans l'histoire. Dans les, dans les phénomènes, je vais dire, bibliques, dans les phénomènes politiques, dans les phénomènes, hélas, de guerre, la synchronicité partout, on la traduit par hasard, chance, et ainsi de suite. Pourtant, elle est présente. C'est une forme de bouclier qui nous permet de garder correctement à libre arbitre avec son être et avec les autres. Voilà, j'en ai un peu fini avec ma lecture parce que je, il fallait absolument que je prenne note pour ne pas oublier des choses importantes. Ce n'est pas en général ce que je fais. Mais euh, je voulais un petit peu vous éclairer un petit peu à ma manière, si vous voulez bien, hein, que le phénomène de synchronicité a une importance sur les cas émotionnels de chaque individu. Ce qui veut dire, c'est déjà une très grande relation avec tout, toutes les personnes. Et la synchronicité, c'est un peu le message de ce soir, si vous le permettez, la synchronicité n'a que fait des couleurs cette fois, je parle des cultures, des croyances, de la politique, quoi que ce soit. La synchronicité, elle, ne regarde pas le conflit religieux, ainsi de suite. Elle fait son travail, si je peux dire. C'est la connectivité entre tous, à des moments précis, à des moments qui sont... Pratiquement programmé pour éviter parfois un conflit, un abandonnement de soi, une monotonie. C'est encore un phénomène comme d'autres qui passe les frontières absurdes, sectaires, religieux, de culture ou quoi que ce soit qui freine l'évolution des races. Ça, c'est un peu mon message de ce soir à travers la synchronicité. Je vais vous laisser un petit peu euh, en débattre si vous avez des questions, voire même, comme je dis, des anecdotes, parce que tout le monde, comme Catherine le dit, tout le monde a des phénomènes de synchronicité, mais parfois, ben, euh, on n'est pas toujours euh, attentif et c'est un peu dommage parce que ça nous permettrait d'avancer sur plusieurs plans, évidemment. Voilà, je vous laisse un petit peu. Euh... Euh... Comment, comment Est-ce que vous avez un petit peu de. Je vais, je vais expliquer maintenant. Ben justement, euh, une anecdote qui est arrivée hier. À... Enfin, donc hier, je fais un souper avec deux, deux amis qui ne se connaissaient pas. Euh, et on commence à parler. Et puis, il y en a une, elle parle de table de massage, elle explique qu'elle veut, elle est en train d'aménager, il y en a une, elle dit, je suis en train d'aménager mon... mon, grenier, je vais acheter une table de massage. Non, ou bien, je sais plus dans quel sens ça a été. Il y a l'autre qui dit, oh, j'ai râlé aujourd'hui, euh, j'ai acheté, j'avais commandé une table de massage parce qu'il y en a une qui a un centre, euh, comme un spa, elle dit, j'ai commandé une table de massage, euh, comme ça, comme ça, et on m'en a envoyé une autre, et alors j'ai réclamé, mais tu sais, par Internet, ils m'ont envoyé promener, ta, 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 ta. Et l'autre dit, mais enfin, justement, j'ai besoin d'une table de massage. Alors elles ont conclu un prix, elle l'a eu euh, moins de 50%. Et l'autre, la deuxième, qui voulait la table de massage, qui est en train d'aménager son grenier, eh ben, elle l'a eu. Voilà. Et ça, c'était. Euh... Et elle dit, je râlais, avec... j'ai failli envoyer le mail. Je râlais, puis je me suis dit, euh, oh bah ben après tout, en pis, je pense plus à ça. Et voilà. Donc elle est venue ici souper, on a passé une bonne soirée. Et en plus, elles avaient fait une bonne affaire, euh, voilà. Et ça, c'est quand on est ouvert et qu'on fait attention, parce que c'est quand même des personnes qui sont toutes les deux euh, axées sur ce qui est spirituel. Alors, on fait de plus en plus attention et ça règle mais un tas de problèmes. C'est-à-dire, avant, on va devoir chercher dix fois. Euh, ben là, non, ça se fait tout de suite. On attend que ça arrive et ça se fait. Mais il faut le mettre dans la tête, en fait. Il faut dire, c'est pas en voulant, en disant, je dois, c'est. On y pense comme ça, c'est comme si on sème une information ou quelque chose, et hop, c'est comme quelque chose en vol qui accroche, hop, et ça va, et c'est bon. Et c'est pas fatigant du tout. C'est bien sûr bien moins fatigant que d'aller, pour celle qui a eu la table de massage, que d'aller rechercher une pour elle, etc., et essayer d'avoir une bonne affaire. Ça lui est vraiment tombé tout rôti tout cuit. Enfin, voilà, ça c'était une petite anecdote d'asynchronicité. C'est une anecdote euh, très intéressante et dans tout l'ensemble de cette discussion, il y a eu évidemment un partage émotionnel, une connectivité qui assure cette présence de synchronicité. Évidemment, comme on, on t'entend maintenant en parler, on sent très bien que ce, cet afflux émotionnel est toujours présent et mémorable. Donc la synchronicité agit à travers l'émotion aussi. Je m'explique. Souvent, je prends cet exemple. On rentre dans un vernissage. Plein de gens sont avec un, un verre de champagne. Et on a des intuitions, comme je disais, mais là, on discute. On rentre dans un groupe. On discute. On sent que dans les dix personnes qui parlent avec vous, il y en a deux justement qui, on perçoit qu'ils ont euh, une certaine, entre guillemets, connivence. Et là, souvent, on a tendance à un peu avancer les choses en parlant d'un tableau précis. Et puis les autres, ces deux-là, plus les autres, mais ces deux-là se connectent à vous et ont les mêmes idées. Et parfois, de cette idée simple du tableau, qui est simplement la basse et l'accroche, comme on dit, se développe dans votre conversation tout doucement. Ah, mais oui, j'ai vu ce film-là, et j'ai pensé à ça. Ben oui, moi, je l'ai vu aussi. Et la troisième, mais je l'ai vu aussi. Et j'ai pensé ça comme ça, et ça, et ça. Et puis se crée cette synchronicité. Se crée aussi cette boule d'émotion émotion, émotionnelle, c'est ça. Et là à ce moment-là, vous créez un filin indestructible parce que vous avez cette connexion que les autres n'ont pas eue, bien sûr. Mais vous avez fait une accroche, tous les trois, et ce sont des moments importants qui nourrissent positivement, bien sûr, les trois personnes. Et comme je le dis souvent, c'est à travers les autres qu'on se, se voit parfois. Eh bien, la synchronicité a ce rôle également. Voilà, je ne sais pas si euh, vous avez encore certaines questions ou des anecdotes, il n'y a pas de souci. Pour moi, j'en ai un peu terminé euh, avec mon élocution, mais, mes, mes petites feuilles de ce soir. Je rappelle que euh, demain, si vous le voulez bien, il y a également un rendez-vous sur Skype avec. Euh, notre ami Ariel. Ariel donc est voyant médium et euh, il a accès à d'autres choses. Il viendra nous parler un peu sur les théories, tout ce qu'il a appris dans le cadre de, de, cette, de cette discipline. Je, je, parfois je dis discipline, je ne sais pas si je peux employer ce terme là, mais c'est un terme qui rassemble donc euh, toutes les techniques, voyance, médium et ainsi de suite. Il est évidemment euh, dans l'équipe de Radio Rai maintenant, donc je pense qu'on est euh, on doit être une douzaine ou, ou une quinzaine maintenant avec l'équipe Radio Rai. Je rappelle qu'on sera présent le 16 février, j'en profite pour faire de la pub pour François, François donc quelqu'un qui fera une démonstration d'hypnose. Rassurez-vous, je vais essayer de de filmer la soirée, de, de filmer la, la représentation de François, éventuellement de faire des photos de manière à ce que vous ne soyez pas pénalisé, que vous sachiez le voir sur euh, sur Radio -Rail pour, euh, ou sur la page Facebook. Et pour celle du 27, dont euh, gentiment euh, Catherine euh, sera présente. Elle a accepté de venir. Euh, elle a été un peu forcée. On a été la chercher avec un fusil. Enfin, elle lui a posé la question. Elle a dit oui. Donc euh, il y aura Catherine, il y aura toute l'équipe. Donc euh, le 27 avril, ce sera de 19h à 22h30. Et là aussi, on va faire en sorte que vous sachiez euh, voir un petit peu ce qui se passe. Donc déjà demain, samedi, ce sera Ariel qui viendra nous parler un petit peu des théories médium et voyance sur Skype. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou encore, je me répète, des anecdotes ou des questions qui sont euh, peut-être sur hors sujet, c'est pas trop grave, ne vous inquiétez pas. Oui, sur une question, c'est bon, indivisible. Là. Euh, au sujet justement de de la synchronicité, est-ce que ça ne serait pas des signes que nous envoient nos guides ou notre surmoi, tout ça, pour euh, nous remettre un peu, des fois, sur le, sur le bon chemin, entre guillemets On peut avoir un, un parallélisme selon, évidemment, notre manière d'interpréter les choses, parce qu'on on ne doit pas confondre le phénomène de syn synchronicité... Aussi l'intuition d'une présence d'une personne décédée sur une focalisation d'émotions sur des événements, c'est différent. Je veux dire par là que la synchronicité est un effet naturel dans le développement de l'individu. Évidemment, nous pourrions avoir aussi un peu comme j'ai cité une personne qui crée l'hypnose et qui interagit sur un comment dirais je un mot particulier pour agir sur quelqu'un qui est sous l'influence d'hypnose, on peut avoir probablement bien sûr, comme tu le dis des guides ou euh, un ange qui utilise le même système de manière à accéder à ce phénomène de synchronicité. Ça reste bien sûr encore à démontrer dans nos croyances actuelles, mais la synchronicité n'est pas en majeure partie associée avec la prise de contact d'une personne, par exemple, décédée. Parce que quand je parle de personne décédée, elle aussi peut être un guide vis-à-vis -vis de la personne qu'elle connaît ou qu'elle a, qu a connue. Elle peut aussi et mettre des signes et des messages de manière à dire, manière à, dire à son fils, voilà, il y a ça qui se passe, je suis avec toi. Maintenant, on pourrait passer un échelon entre guillemets supérieur ou un esprit, je vais dire un ange, pardon, ou un guide de lumière interagit de la même manière. Là, ce serait d'abord vis-à-vis. Pas du guide, mais de l'ange, mais de l'individu proprement et rationnel qui interagit avec l'irrationnel et qu'il traduit. Donc, je veux dire par là que tout est une question d'éducation, de croyance ou évidemment de se trouver avec ses acquis face à un phénomène paranormal. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, je vois un peu mieux la nuance ouais, entre le... Oui, oui, tout à fait. Donc, et quand tu, veux, euh, tu voudrais influencer quelqu'un pour acheter un véhicule blanc, tu pourrais lui dire, tu sais, euh, moi j'ai un véhicule blanc, euh, ça marche super bien et tout, quoi. Tu prendrais la décision d'influencer des gens entre parties, sont libres, surtout une forme de synchronicité aussi. Que tu pourrais en faire partie parce que tu es peut-être dans cette forme de synchronicité. Que lui rentre dans un garage, il sait pas trop faire une rouge, une blanche, et toi, à un moment donné, paf, tu donnes une information et tu rentres dans ce système de synchronicité. La synchronicité est un élément majeur pour l'évolution de quelqu'un qui ne peut pas dire, ah, oh, j'ai décidé ça, aujourd'hui, et puis je me suis dit une fraction de seconde devant mon dossier ce matin, non, je ne le fais pas parce que j'en ai un autre qui, je pense, celui-là, va me donner du fil à retordre. Donc, le libre-arbitre est un allié de la synchronicité et ils ont besoin tous les deux de faire vivre l'être humain, l'individu. Bien sûr, il y a d'autres choses émotionnelles qui jouent un rôle. Donc voilà, c'est un petit peu la différence entre un contact d'une entité extérieure, on va dire ça comme ça, et de la synchronicité à l'intérieur de l'être humain et aussi parmi les autres. Voilà, est-ce que d'autres personnes auraient éventuellement euh, des questions Est-ce que vous pourriez vous être attentif à la synchronicité d'une autre personne Est-ce que vous pourriez vous inclure dans un phénomène de synchronicité qui est déjà en place À votre avis donc je, je m'explique, on a trois personnes, comme je disais par exemple l'exemple de Catherine, cette synchronicité autour par exemple d'une table de massage, est-ce que vous qui êtes en dehors pourriez vous connecter à cette synchronicité Eh bien il y a une clé pour y arriver. À votre idée, est-ce que c'est faisable ou pas Ne répondez pas tous en même temps, ce n'est pas un examen. Catherine, qu'est-ce que tu en penses Attends, j'arrive. <laughs> J'étais pas un peu à côté. Euh... Oui, probablement qu'elle pourrait, euh... si elles sont effectivement dans la même ouverture. Euh... Enfin, si elle, je dis elle, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y avait deux femmes. Quand on est dans la même ouverture et croire que ça va arriver, oui, 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 c'est vraiment une question d'ouverture et de confiance. Donc, en fait, pour reprendre le chiffre, on a trois personnes qui parlent du même fil, en l'occurrence, la table de massage. Eh bien, quelqu'un qui pourrait se connecter à cette synchronicité, lui, il va agir d'abord pas par émotion, mais par ses acquis. Donc, il ne sera pas injecté immédiatement ses émotions en percevant les émotions des trois personnes, non. Il va d'abord injecter ou placer une clé sur ses connaissances, ce qui veut dire qu'il va peut-être dire oui moi j'ai connu une table de massage mais bon euh, j'ai eu des mauvaises expériences ou l'inverse dire ben bah, moi je sais pas trop comment ça fonctionne une table de massage est-ce que c'est intéressant et puis tout doucement il va s'inclure dans cette synchronicité qu'est-ce qu'il risque d'arriver il va développer d'abord une forme émotionnelle, mais peut-être aussi développer un autre stade de synchronicité. Comment? Eh bien, il va dire, j'y connais rien dans la table de massage ou j'y connais quelque chose. Il va développer et nourrir cette conversation, rentrer tout doucement dans un système émotionnel, rester à laps de temps dans cette synchronicité et passer peut-être dans un autre stade. Je m'explique. On parle de la table de massage. Tout le monde explique. Bon, euh, tout le monde est content des anecdotes parfois amusantes qui se sont produites. Et lui dit, bah, euh, moi j'avais mal au dos et c'était à cause de euh, des sièges de mon véhicule. Je reprends toujours un véhicule. Puis hop, tout de suite on enchaîne. Ah ben oui, écoute moi aussi. J'ai eu des problèmes de dos et c'était ces fameux fauteuils là, dans les voitures. Et moi, j'ai mal au dos dans mon fauteuil en regardant la TV. Et boum, cette synchronicité tout doucement arrive qu'il y a un mal de dos qui devient un facteur émotionnel et il est rentré dans cette osmose émotive. En changeant, bien sûr, en tenant compte du libre arbitre, je m'explique, il peut interagir dans cette séquence de la table de massage, mais être, être bloqué. C'est-à-dire que les trois autres personnes restent sur leur position et bloquent la, la mise en place émotif et la discussion de l'individu. À ce moment-là, l'individu se sent un petit peu exclu et là il va abandonner. Risque même parfois, selon son éducation, d'être assez nerveux. Ou euh, d'être moqueur, il va essayer encore de rentrer dans la conversation, mais cette fois-là avec une forme de moquerie et essayer de faire passer ses émotions un peu, euh, un peu euh, euh, d'illuminer. Ça arrive, c'est déjà arrivé dans plein de choses. Je suis sûr que vous avez déjà connu ce genre de phénomène. Donc, on peut rentrer dans un phénomène de synchronicité, même qu'on est en retard, mais on risque de changer. Cette synchronicité pour passer, à ça peut arriver. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Note que euh... <laughs> j'imagine qui commencerait à se moquer et tout ça. Bon, il serait déjà pas là. Ah non, mais j'avais je... un... ah, euh... <laughs> l'exemple. Ah, oui, 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 ouais. mais voilà. Simplement, bien sûr. Non, euh... ah non, je sais, je sais. Qu Il oh, y, a, y a le ça dicton qui se ressemble, ça semble. Bien sûr, c'est... <laughs> Par exemple, le 16 février. <laughs> mais... Euh... <laughs> oui. Donc... Euh... Donc la synchronicité, proprement dit, nous en avons besoin. Inévitablement, nous avons besoin de ce phénomène pour nous sentir assurés, pour sentir que nous vivons, pour sentir que nous vivons avec les autres aussi, ce qui a une importance à l'heure actuelle. Cette synchronicité nous évite aussi quoi? Elle nous évite une monotonie, comme je disais au début de la conférence, parce que c'est pas une monotonie je dirais, de train-train quotidien, c'est une monotonie de se dire, voilà, euh, tout ce que j'entreprends, soit ça casse, soit ça passe, point barre. C'est de, de rester dans un, une optique carrée et à la longue, ça risque de vous détruire mentalement. Quand je dis détruire mentalement, c'est de ne plus avoir d'espoir. De ne plus avoir de de croyance envers la vie. C'est un peu les messages que nous avons eu aussi depuis 2000 ans et bien d'autres choses. Apprends à garder une croyance. Il y a des études actuellement sur le cerveau. On se pose cette question. Est-ce que le cerveau était programmé pour la croyance, pour accéder à une certaine foi cette foi est transformée dans un aspect biblique, religieux, mais le cerveau a besoin, bien sûr, d'avoir une foi, ne fût-ce que la foi en soi même, la sûreté de soi, la confiance en soi est déjà une base dans l'avancement sur le chemin si difficile de l'évolution propre. La synchronicité, et là aussi, pour justement dire, voilà, tu as foi en ceci, regarde comment ça peut tourner. Oh, bien sûr, parfois en négatif. Parfois, bien sûr. Et j'espère le plus souvent, en positif. La synchronicité, au moment où on se dit, voilà, sur ce chemin, j'en me trouve un peu au niveau des doutes. Et là, un miracle, si on peut dire, d'autres personnes qui sont sur le même chemin que vous, les mêmes galères que vous, vous dites bah tu sais, ouais, fou. moi j'ai pensé à la même chose que toi. Et l'autre, ah, bah ouais, moi aussi j'ai pensé à la même chose qu'est ce qu'on fait là on continue, on va droit vers le mur ou euh, on va ailleurs et on reconstruit? Eh bien, c'est une forme de synchronicité aussi qui vous fructifie dans votre évolution, qui fructifie les autres aussi, qui vous permet aussi, bien sûr, d'anticiper intuitivement, de voir une certaine forme de fraction de futur, et de faire demi-tour demi -tour, au bon moment, ou de foncer au bon moment, bien sûr. Est-ce véritablement un phénomène de chance Est-ce véritable véritablement un phénomène de hasard Ou est-ce bien une accumulation d'informations qui donne déduction, qui donne une certitude, et puis d'autres informations différentes viennent vous dire, attention, tu es sûr de ça, mais... Écoute les autres, ils ont les mêmes idées que toi et je pense que tu devrais moins foncer. Maintenant, l'idée du hasard, de la destinée, de la chance, de la synchronicité appartient à notre libre arbitre de choisir quel mot détermine bien l'évolution de notre vie. Est-ce la chance Une forme de destinée Une forme de synchronicité Que ce soit n'importe quel mot en fait, nous en avons besoin pour avancer et éviter cette monotonie qui risque évidemment de nous mettre dans un carcan, une forme de solitude et d'être exclu. Automatiquement de l'évolution et de la société spirituelle, cette fois-ci. J'en ai terminé un petit peu, euh, encore une fois, avec ce que j'avais à dire. C'est vrai que ce soir, euh, il n'est pas tard, 22h20, si je ne si m'abuse. Dans le cas de la synchronicité, j'ai essayé, moi, ce soir, de vous donner une autre image. Une image plus, si je peux me permettre, plus naturelle. Bien sûr, il y a des études sur la synchronicité, il y a des livres euh, sur la synchronicité, bien sûr. J'en ai lu aucun, mais je sais qu'il y a des livres là-dessus, comme la dynamique mentale, enfin, un tas de choses comme ça. Mais je pense qu'il serait utile au départ de nous trouver projetés ce soir en toute synchronicité sur le naturel de ce que nous vivons chacun d'entre nous, à chaque moment de notre vie, à chaque minute, à chaque seconde. Je pense que c'est le plus important. Avez vous des questions, des commentaires encore une fois, ou éventuellement, comme je me répète encore, des anecdotes, ou des questions qui sont euh, aléatoire sur d'autres sujets futurs ou quoi que ce soit, ou ce que vous avez vu. Il n'y a aucun souci. Euh, je vous écoute. Pas de questions Je ne sais pas si. Je vais regarder le chat. Je n'ai même pas regardé le chat. Je m'en excuse. Non, je ne parle pas tout seul. Bien ah, sûr, la synchronicité joue un rôle dans le phénomène de télépathie. Mais la télépathie, on essaye à l'heure actuelle de la forcé. On voit très bien que dans les domaines militaires, et ce n'est pas nouveau, on essaye de canaliser, de créer artificiellement ces filins télépathiques entre un individu à un tel endroit et un, individu, un autre individu à un tel endroit. On ne joue pas sur le cadre émotionnel complet, on joue sous une forme d'intuition, de connectivité, mais artificielle. Évidemment, qui dit connectivité artificielle encore à notre époque, c'est une grande difficulté, une grande barrière. On se focalise sur les jumeaux, on se focalise sur des, des gens qui se connaissent très bien, mais est-on sûr de la valeur de chaque réussite de ses expériences. La synchronicité, elle, elle n'a pas besoin d'être forcée. Elle est naturelle. Elle vient au moment précis où on a besoin d'être réconforté, rassuré, d'évoluer. La télépathie, elle, sera comprise à travers la technologie, pas à travers les phénomènes naturels. Pourquoi Willis tu nous parle de technologie Parce que la télépathie, elle arrive aussi un peu comme une forme de synchronicité. Mais on veut, au 20e et 21e siècle, créer artificiellement cette communication. Il faut un entraînement et malgré ces entraînements, on a un pourcentage très minime de réussite. Il faudra des machines, une technologie pour décortiquer le fonctionnement de la télépathie. Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais on arrivera à gérer des programmes pour combattre un phénomène qui est l'Alzheimer et tout un ensemble de données arriveront à produire, anticiper, dépenser. Ceci n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Il y a des gens qui y travaillent. Mais ce sera probablement dans les 20 prochaines années. On a le temps. Je me tiendrai plus au niveau de la synchronicité, qui est quand même un effet naturel. J'espère que ce soir j'ai pu éclairer. Bien sûr, toujours en collaboration avec Catherine, parfois Lancelot et d'autres personnes, sur le phénomène de la synchronicité. Voilà. Si vous n'avez d'autres questions, pour ma part, moi j'en ai terminé sur euh, ce sujet. Je voudrais simplement vous dire, si vous le permettez, j'ai placé quelques affiches sur euh, la page Facebook. J'en ai mis une qui est Méditation, connexion favorable au spiritisme. Ce sera une conférence sur un effet de méditation qui augmente le potentiel sur le phénomène de spiritisme et qui permet également de faire face à parfois des... comment dirais-je, des aventures euh, négatives à travers le spiritisme. Il y a en juin et en juillet quatre séances avec moi, si vous le voulez bien. Ce sera sur euh, la concentration et la reconnexion avec la vie et surtout avec la famille, parce que la famille actuellement, beaucoup de gens n'arrive plus à gérer l'ensemble. Et ça a une importance capitale. La troisième et quatrième séance, si on peut dire, ce sera sur la peur, la véritable peur et ses fonctions. Les fausses peurs, celles qu'on crée à cause des phénomènes artificiels dans la société, et les peurs qui contrôlent nos émotions de manière à nous protéger d'éventuels conflits. Et l'affrontement des autres en société, évidemment, la peur parfois nous paralyse quand on est au milieu de, de, de plusieurs personnes, on n'a plus les mêmes points de repère, plus la même attitude, et on peut parfois, pour certains, être fragilisé. C'est une peur qui paralyse, évidemment, euh, notre attitude, notre, notre connexion vers les autres, et on parlera de ça. Alors, bien sûr, comme je dis, demain, ce sera les théories médium et voyance avec Ariel. Le 16 février, je suis en train en même temps de regarder les affiches. Euh, le 16 février, ce sera une conférence sur l'hypnose, mais euh, donc là, on. On filmera, on mettra des photos, et alors le 27 avril, hein, 19h à 22h30, ce sera donc euh, le tour de Radio Ride à passer à la moulinette <laughs> lors de la conférence. Alors il y en a une qui m'intéresse beaucoup, c'est la téléportation quantique et la flexibilité télépathique. Et j'ai marqué en jaune, l'être humain possède un GPS avant et après sa mort. Et ma question est, où vont toutes les données de sa mémoire Ce sera une conférence intéressante. Alors, euh, il y aura encore un tas de trucs. On va parler aussi du voyage astral en juillet. Ce sera une conférence aussi. En salle, donc ce sera filmé. Euh, les phénomènes des nuages noirs, je de pied ferme. <laughs> Et euh, encore d'autres choses, euh, d'autres conférences prévues, évidemment. Alors, aussi le, le 3 mai, le comte de Saint-Germain, Boscovitch, Presley, le comte de Ramfort. Et Marie Wilcox, je vous parlerai un petit peu des règles qui n'ont pas vraiment suivi dans l'histoire, dans l'écriture, dans certaines codifications, et aussi euh, dans l'alchimie. Voilà, je parlerai de ça le 3 mai. Je pense... Euh Angel vous remettra, euh, comment dirais-je, une liste. Je crois que la liste, elle est sur Radio Hype. Je parlerai un petit peu aussi du village perdu. Donc c'est basé sur un livre, évidemment, dont euh, des personnes ont traversé un village et ont découvert des choses. Et puis, euh, quand ils ont voulu revenir, ben, le village a disparu. Je parlerai des 7 jours de la création. Alors, je vais m'attarder quelques moments sur les 7 jours de la création. Les sept jours de la création, comme vous savez, ont été encastrés dans la Bible, de manière à suivre les moments où la renaissance ou la mise en place du monde s'est fait. J'ai pris ça un peu comme une litanie et euh, un malin plaisir, si vous voulez, à, les à faire une comparaison avec euh, la. comment dirais je? la recherche sur euh, euh, après un événement nucléaire. mais les sept jours de la création ont aussi un rôle dont on va un petit peu parler. toute personne qui suit les phénomènes de réincarnation sait très bien que un enfant qui naît a sept ans pour perdre tout son système émotionnel dans l'autre vie passée. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, je veux dire par là que dans les croyances, les, 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 croyances, les religions à la rigueur, mais surtout certaines croyances, on dit qu'un enfant qui naît et qui a des réflexions, des attitudes à titre de, de vie passée, tant pour éliminer toutes ces données. Et on retrouve ça justement dans les sept jours de la création, j'en parlerai. Alors le 24 mai, c'est légion les, les mille survivants de l'apocalypse. Vous allez voir que c'est un peu particulier ça. Et j'ai mis en, rou en rouge seule la pensée survit sans oxygène. Vous allez voir ce que ça veut dire cette, euh, cette, euh, cette phrase. Le 11 du 5, ce sera les fréquences du temps. Voilà, ça, ce sera euh, des trucs intéressants, je pense, pour vous, si vous voulez. Alors, la carte de Pyrrhès, les secrets des douze vents et des douze astres. Donc, euh, ce sera pas mal non plus comme, comme, comme euh, webconférence. Le 30 mars, évidemment, là, c'est avec la ciel, pardon, Simon Dael, les animaux totems. Ça, c'est pour le 30 euh, mars. Et euh, je regarde encore s'il y a d'autres choses. Bon, il y aura encore d'autres conférences. Voilà. voilà, pour ma part, j'en ai, ai fini. De toute façon, même si la, <laughs> la conférence se termine un peu plus tôt, on a encore rendez-vous demain, si, si vous voulez bien. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous laisse la parole. Il bah n'y a personne. Ils sont tous muets. Voilà. Ou alors ils sont tous laissés à l'UP, ils sont partis. Oui, ils sont partis, ça, oui. On se demande. Comme s'ils n'ont jamais eu le moindre phénomène de synchronicité, c'est bizarre. Oui, peut-être c'est ça qu'ils sont partis. Pas de réaction. Non, parce que le monde, euh, est en train de noter là. Mm. Ah oui, ils écrivent en plus. Je suis en train en... le chat. Du... Oui, c'est ça, Agnès. On a effectivement perdu l'auditoire. T'as raison. <laughs> voilà. Donc, euh, si vous n'avez plus de questions, eh bien, euh, je vous donne rendez-vous, bien sûr, euh, demain, euh, à la même heure, 21h. Ce sera notre ami Ariel qui, qui sera présent, qui viendra pour la première fois faire un petit coup. Il sera présent le 16 février. Cet avril. Ariel est quelqu'un qui, qui parcourt et qui fait les salons de voyance, médium et ainsi de suite. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a déjà une expérience aussi, comme nos invités qui viennent régulièrement. Et euh, j'espère que vous, avez pass... vous allez passer, bien sûr, une excellente soirée euh, demain, comme euh, j'espère ce soir. Je retiens à remercier ceux qui viendront le 27 avril j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'il y a quand même une, une grande demande n'oubliez pas de passer le mot de dire si vous venez en en live donc si vous êtes euh, si vous venez à la conférence même ou si c'est pour le suivre sur euh, internet alors pour internet soit ce sera sur skype donc, inutile de vous dire que les places seront limitées, c'est pas de notre faute. Bon, ben, Skype est un peu particulier. Si pas, probablement qu'on aura peut-être trouvé une autre, euh, une autre solution. Comment ça va se passer Eh bien, euh, donc ce sera de 19h à 22h30. Il y aura un break. Donc, avec euh, euh, café pour ceux qui sont présents. Ah, <laughs> ça. Et euh, on parlera donc sur l'astrologie avec Catherine, sur la voyance avec Ariel et d'autres personnes, sur l'hypnose, sur les chasseurs de fantômes, pourquoi on a choisi chasseurs de fantômes parce que bon ben, la porte du paranormal est ouverte à tout le monde, donc chacun envisage de, de cibler diverses euh, divers sujets ce sera surtout une forme de vidéo, de conférence pardon entre guillemets promotionnelle c'est pour dire que nous commençons à arriver un petit peu en live maintenant il y aura des repas prévus aussi il y aura un tas de trucs comme ça et ce sera euh, Catherine euh, qui sera au fourneau <laughs> elle fera des gâteaux et euh, pas ce jour-là <laughs> euh, et alors on essaiera donc de, de projeter sur un écran euh, donc toutes les personnes qui sont sur Internet de manière parce que ben, ceux qui sont dans la salle voient. Euh. Enfin, on va essayer de, de faire un, une conférence adéquate pour tout le monde. Je dis pas que ça va réussir du, de, du, de la première fois, bon, ben on va essayer quand même, mais il y aura d'autres conférences prévues. Et aussi d'autres choses intéressantes, mais ça, bon, ce sera pour plus tard. Ce sera un petit peu plus plus large. Et, euh, et voilà quoi. Je regarde si vous avez d'autres euh, commentaires. Voilà. Alors, si vous n'avez plus de commentaires, je vais vous laisser. Je rappelle qu'il y a un film euh, de, de funès ce soir, La Soupe aux Chou. Vous savez que je raffole de euh, Louis Duffyness. Ça, euh, j'y peux rien. Chacun. Euh, J'essaye pas de faire la. Poube, mais... Voilà. Alors, euh, je vous remercie encore une fois tous d'être. Euh, venu ce soir sur euh, cette conférence. Et je vous donne donc rendez-vous demain soir, si vous le voulez bien. Ce sera donc sur les théories de la voyance et des médias. Voilà. Donc la soupe aux choux, évidemment, <laughs> comme tu le dis, euh, c'est un canon et Ça, bon, ben, c'est pas pour nous les ch'tis canons, c'est pour d'autres aussi qui ont des connexions avec les OVNIs. <laughs> voilà, je pouvais pas m'empêcher. Excellente soirée à tous. Donc, euh, Angel mettra probablement demain ou plus tard la conférence de ce soir. Donc, euh, pas de souci. Voilà. Merci à tous. Et euh, passez le mot ici en Belgique pour ceux qui ont envie de venir le 16 février, surtout le 27 avril. Passez le mot, logiquement, ne vous fiez pas au prix sur l'affiche. Le 16 février, c'est 10 euros l'entrée parce que c'est François, c'est sa conférence. Logiquement, pour les conférences de Radio Raib, donc la porte du paranormal, ce sera. Normalement, une histoire de 7 ou 8 euros, pas plus. Donc, je dois m'arranger, pas avec l'équipe, mais avec la location de la salle. Ce sera entre 7 et 8 euros, break compris, évidemment, café compris, ainsi de suite. Ça sert uniquement à quoi, bien sûr À la location de la salle. Je précise, donc, pas dans un but lucratif, pas dans un but de se faire de l'argent dans ces événements. Simplement pour, bien sûr, euh, parer à la location de la salle et du matériel. Quand je parle matériel, ce sont les chaises et tout, toute cette logistique qui suit. Donc je me tiens à la promesse que j'ai faite dans les conférences et les partages que nous avons avec vous. Il n'y a pas donc de. Euh D'accumulation euh, monétaire, de, de mise en place récurrente, ça n'a rien à voir. Euh, voilà. Je crois que c'est une importance. Voilà. Je me reformule. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous remercie encore pour ce soir d'être présent. Je vous donne, bien sûr, Rendez-vous demain soir 21h 23h30 avec Ariel. Je ne sais pas combien de temps il mettra parce que euh, c'est la première fois qu'Ariel fera une conférence euh, sur Skype, donc je ne sais pas vous dire comment euh, il gère ça. Je serai là pour l'épauler, bien sûr. Voilà. Bonsoir à tous et un grand merci d'être venu. À... Merci. Euh, Peut-être demain, je sais pas, demain soir, je verrai si je sais me brancher. Sinon, à bientôt, de toute façon. Bonsoir. Pas de N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la page Facebook, juste en dessous de la fiche de la synchronicité, ce que vous en pensez, ainsi de suite. Je rappelle aussi que le nouveau Activa Cortex est ouvert. Il est associé avec la Siri PB. J'ai mis l'adresse, donc vous pouvez aller voir. Il a fait un petit lifting. Et un autre site plus tard va s'ouvrir dans le cadre d'Alpha Medium. Là, ce sera les gros salons de voyance en France et en Belgique. Ça, c'est pour le petit scoop. À très bientôt et merci à tous. Bonne soirée.